Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous présente Assassin's Creed 4 Black Flag, le jeu qui a été très attendu pour cette fin d'année, qui sera bientôt disponible sur console next-gen. Donc voilà, nous sommes bien sûr sur jvstream.com, voilà. Donc sans plus attendre, découvrons le menu, voilà, qui est quand même un petit peu plus différent que les anciens opus de la série. Enfin, menu version un peu Windows 8, quoi, j'ai envie de vous le dire. Bon, c'est la seule chose sur laquelle je me suis un peu appuyé pour un rattachement. Voilà, vous voyez que l'on peut reprendre notre campagne en solo. Bon, je ne suis qu'à 7%, excusez-moi, voilà. on peut jouer en ligne, nous avons du contenu additionnel. Le contenu additionnel, parlons-en, enfin bref, j'en parlerai durant la vidéo. Mais tout d'abord, voilà, c'est un jeu qui est édité et développé par Ubisoft. Date de sortie, 29 octobre 2013. Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Et pour l'instant, aucun site n'a fait un test dessus, donc pas de notes, car voilà, commercialement parlant, le jeu est en vente depuis le 24 octobre pour les plus chanceux et le 25 normalement pour tout le monde. Donc il n'y a pas de test parce que voilà, c'est assez avancé. Donc voilà, sans plus attendre, je vais reprendre une mission, en fait, oui, car on peut toujours rejouer des missions du jeu, c'est bien connu, une fois complété, pour pouvoir améliorer son scoring. Nous sommes toujours dans l'Anonymous, nous dirigeons un pirate qui a rejoint la confrérie des assassins, assez bizarrement d'ailleurs, je vous expliquerai vite fait. Il se nomme Edward James Kenway, mais il porte un autre nom durant le début du jeu, Duncan Walpole, si je me souviens bien. Donc le jeu, voilà, en quoi ça... Enfin, qu'est-ce que ça raconte? Je parlais donc du coup du héros, voilà, c'est le quatrième héros que l'on incarne dans la série Assassin's, enfin cinquième si l'on compte... comment s'appelle-t-elle déjà? Aveline de Assassin's Creed Libération. Voilà, après Altaïr, Ezio, Connor, nous avons bien sûr Edward. C'est... Comment dire, bon, beaucoup plus de nouveautés bien sûr, beaucoup plus habile dans tout ce qui peut être cascade, etc. Bon, vous voyez après le jeu par vous-même au niveau des graphismes, quand même assez impressionnant. Fort sympathique, il me tarde de voir sur Next Gen ce que ça va donner. Edward possède normalement, au total, vous voyez qu'il y a deux flingues dans son dos, il en a normalement deux dans la bretelle en face. Il possède deux épées normalement de chaque côté, oui on les voit. Puis deux lames secrètes, pour l'instant ce sont les seules armes que j'ai pu voir dans le jeu. Le menu des armes, ce sont les touches directionnelles, haut pour aller vers les lames secrètes, dont les fameuses Eagle Blade. À gauche, les pistolets, munitions, etc. L'argent et les armes corps à corps en bas. Donc voilà, je vous parlais du contenu additionnel. Donc pour ceux qui n'ont pas acheté la version collector du jeu, sachez que quand même le jeu nous propose vraiment pas mal de choses. Tout simplement parce que, alors, dans la boîte, nous avons un code, en fait, que nous devrons rentrer. En fait, c'est un code PlayStation 4, en fait. Et ce code, une fois rentré en fait dans la Play 4, nous permettra en fait de jouer avec le CD PlayStation 3 en fait dans la Play 4 en fait. Voilà, donc c'est vraiment c'est plutôt sympa quand même. Voilà, ça nous permet de faire une économie et de ne pas acheter deux Assassin's Creed. Voilà, offre que nous avons dans une firme de magasins plutôt connus qui font des offres assez sympas concernant pour l'instant FIFA, Call of Duty et Battlefield. Voilà, nous pouvons ramener ces jeux-là de Play 3. Enfin, je ne me suis pas renseigné pour la Xbox, désolé. Nous pouvons le ramener le jour de la sortie de la Play 4 et on nous le reprend 60€. Donc plus que 10 boules à rajouter pour revoir ces jeux. Assez sympathique. Je vous disais que j'allais faire une mission quand même qui est plus, comment dire, plus mouvementé. Il y aura une phase de gameplay au corps à corps et la fameuse bataille navale, jeu très appuyé dessus. Ça a été même d'ailleurs la partie que je préfère dans Assassin's Creed 3, tout simplement, parce que bon, après bien sûr j'aime bien les Assassins, mais bon là franchement pour une nouveauté elle était vraiment sympa, vraiment plus poussée, de nouvelles armes. Il y a tellement de choses à dire. Je parlais de la boîte, qu'est-ce qu'elle contient d'autre? Le code Aveline, justement, je recite cette héroïne assassin de Assassin's Creed Libération. 60 minutes de gameplay qui sont ajoutées si l'on rentre notre code dans la Play. Donc
Voilà, on peut incarner cette héroïne. À savoir que Assassin's Creed Libération, le jeu sera adapté en HD sur PlayStation 3, Xbox, si je ne me La trompe pas, et scène, PC remettez la pour radio. janvier 2014 et qui sera bien sûr prochainement adapté sur console next-gen. Tu as faim? Le Season Pass est toujours présent, voilà, il nous faut bien sûr le petit code pour pouvoir jouer en ligne. Le code, qu'est-ce qu'il contient d'autre? Le fameux Black Flag, le petit le drapeau, l'étendard du bateau de Edward Kenway. Donc voilà, vraiment quelque chose qui est vraiment assez sympa. Le jeu a obtenu le prix du meilleur jeu action-aventure de la Gamescom. Bon voilà, après je vous parle bien sûr de ce jeu. C'est tentant. Vous On a pourrez un voir nouvel après objectif. par vous-même de quoi le Le jeu est mieux fait capable. pour toi. Toujours, voilà, on peut se cacher sur le côté, siffler pour amener les gardes près de nous pour pouvoir les assassiner. Bien sûr, c'est un jeu qui porte quand même pas mal sur la discrétion, même si on a tendance à facilement faire le bourrin avec toutes les possibilités que nous offre le jeu. Et la puissance des héros que l'on incarne, bien sûr. Donc, je vous parlais justement. Ah oui, parlant des héros, vous savez que déjà un DLC va être annoncé sur le 4, où est-ce que l'on incarne en fait le tout premier héros noir de la série des Assassin's Creed. Et bien, voilà, je vais vous dire, il s'appelle Adewade, si je me souviens bien. Et c'est la personne avec laquelle je suis actuellement. Voilà, il est à côté de moi, donc on le rencontre dans le jeu. Donc franchement, Ubisoft met vraiment tout en avant pour que l'histoire se suive vraiment au mieux. Donc c'est vachement sympa. Lui, par contre, je sais pas où est-ce qu'il est allé. Ouais, voilà, d'accord, je vais tenter de me le faire. C'est bon. Mais par contre, il faudrait que Adewa il se bouge un peu. Hop là, esquive. Bim, dans ta gueule. Ouais, bon, à se prendre le mur. Oui, donc plusieurs options. Quand on rencontre quelqu'un, si on appuie sur la touche rond simultanément, bon, on la voit balader. Si on appuie sur la touche croix, on le blesse. Si on fait carré, on l'assomme. À savoir que quand on a des armes, il arrivait qu'on tombe sur des adversaires si puissants qu'ils contraient tous nos coups. Avec la touche croix, maintenant, on peut briser la garde de l'adversaire et reprendre le dessus très vite. C'est assez sympa. Un nouveau mode de visée pour vos armes à feu. Maintenant, on vise vraiment version Allez, target. Ce n'est profite-en. plus une ligne où est-ce que l'on doit attendre qu'il se concentre pour réussir un one shot. Maintenant, on vise soi-même. C'est assez sympa. Ou appuyer plusieurs reprises sur la touche triangle pour enchaîner des tirs. Comme je vous ai dit, il a 4 flingues, donc il peut enchaîner 4 ennemis à la fois. Je n'en ai débloqué qu'un. Après cette mission, normalement, j'ai le deuxième. La mission consiste à libérer plusieurs pirates en fait, Alors c'est ça maintenant. prisonniers Vérifie ton pouvoir des bateaux et espagnols. voler un navire Alors rapidement. attendez, je parlais de bourrin. Bam! Voilà, tiens. Voilà, enfin une petite phase de gameplay. Toujours la même. Rond pour pouvoir esquiver vos coups, carré pour pouvoir de suite riposter. C'est assez dégueulasse. Bon, toujours assez bien bourrin. Hein. Le radar c'est toujours le même. Les points là où est-ce qu'il faut arriver, enfin les objectifs sont peuvent être atteints assez facilement en fait. Sachez que voilà, c'est vraiment montré sur la carte maintenant. Il arrivait des fois qu'on se perd, qu'on se paume si on ne faisait pas les lieux d'observation, on ne savait pas où est-ce qu'il fallait se diriger. Là vraiment tout est orienté. Bon, une légère facilité supplémentaire que nous offre le jeu, mais vraiment, sans grande conséquence, c'est pas ça qui va. C'est pas un léger brin de facilité en plus qui va nous faire détester la chose. Bon, on parle bien sûr d'un Assassin's Creed, je vous rappelle. Ouais, c'est bon, je t'ai chopé, oui. J'essaie de faire des bons combo breakers, quoi. C'est assez difficile. Bon, bien sûr, le sang qui pisse bien, c'est assez sympa. Un gros coup de genou dans ta gueule, bien sûr. Avec les compliments du chef. Le jeu, bon. Toujours très porté sur la bataille navale, comme je vous ai dit. Il y a un mec en haut. Voilà, le fameux tyrolien qui nous amène de suite en haut pour qu'on ne fasse pas tout simplement toutes ces choses-là. Bim, crève. Oui, qu'on ne perde pas de temps pour monter et même pour descendre. Voilà. C'est assez sympa. Donc voilà, je vous parle vite fait. Je fais vite fait l'impasse dessus. Un petit point négatif du jeu. Les comment Ajoutez dire un les, respect. ouais, les points faibles, Venez naviguer avec moi. Je chargement un peu m'accompagne bien long pour et faire donc des entrer fois les bug de pirates. texture, léger temps d'adaptation avant que les graphismes
soit bel et bien présent. Je vais tenter un abordage, voyons, est-ce que je vais y arriver? Ouais, parfait. Joli. Magnifique. C'est super beau. Oh, tellement bien fait. Ah, ça, je n'ai jamais eu l'occasion de tester cette grosse arme lourde. Je vais tenter de le faire. Je vais faire ça. Tiens, t'es là, toi. Allez, viens. Viens là, mon coco. La cible, enfin, l'ennemi est ciblé automatiquement. C'est... Putain, c'est dévastateur, le machin. C'est super bien. Ça, c'est sympa. Pas mal. Donc voilà, les ennemis sont ciblés automatiquement, il n'y a plus besoin de switcher entre tous les ennemis, on indique uniquement le joystick, et puis ça suffira quoi en fait. Donc voilà, encore un petit peu de facilité qui se rajoute, mais franchement, trois fois rien encore une fois, je vous le dis. Bim, crève. Voilà, allez, je lâche l'arme. Assez puissant, ouais. Donc comme je vous ai dit, un petit peu de phase de gameplay, combat pour vous montrer de quoi est capable, après un petit peu de bataille navale, c'est assez sympa. Niveau bataille navale, encore de la nouveauté. Et il faut éviter les gros vents pour que limite cela fasse dériver votre bateau, voire même le faire quasiment chavirer. Puis encore, ça va. Puis aussi des gros tsunamis qui arrivent, donc il faut vraiment faire face, limiter la grande voile, se mettre à mi-ma, vraiment adapter. Quand je vous dis bug de texture, par exemple, vous voyez, il traverse les cordes. Voilà, mission que j'ai déjà faite, donc je peux vous le dire. Voilà, malheureusement, voilà, c'est un peu dommage, je trouve. Mais voilà, après, si j'ai vraiment que ça à noter encore une fois, c'est trois fois rien, on est vraiment plus adapté. Voilà, percer la défense. Oh merde, je vais le tenter, mais bon, c'est pas grave. Lui, il me jette des grenades, ce mongolien. Je vais tenter de le... Voilà, percer la défense, voilà, vous voyez qu'il arrête pas d'esquiver. Donc là, ça y est, je l'ai mis enfin un coup, et je peux reprendre l'avantage. Toi, mais arrête de me casser les couilles, j'essaie de le tuer, ton collègue. Donc, merci. Des gens qui se doutent. Non, du tout, je fais juste que prendre votre bateau. Merde, je voulais tenter un double assassinat, mais bon, je n'y suis pas arrivé, tant pis. Crève, charogne, percer la défense, bim. Petit coup, et hop là, comme ça on peut reprendre de suite le dessus. Bon, à savoir qu'il faut l'enchaîner jusqu'à qu'il ne soit plus brillant en fait. Hein. Donc il peut se prendre même des gros coups dans la gorge et tout. C'est pas pour autant qu'il va crever en fait. Il faut vraiment que la zone de brillance, la zone de target de la cible soit enlevée de votre ennemi pour vraiment voir qu'il soit mort. J'en ai combien encore de pirates à délivrer? Ouais, il y en a toujours pas mal. Bim, prends-toi ça. Attention. Et rebim, prends-toi ça. Et rebim. Non, j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Je vais quand même sortir les épées, hein. Ce serait mieux. Hop, voilà. Non, parce qu'à savoir qu'aussi, il faut adapter ses armes en fonction des ennemis. Hein. Attends, mais toi, tu vas me lâcher. Ces mecs-là, là, ceux qui n'ont pas le chapeau, là, qui sont meilleurs, qui arrivent pas de vous esquiver vos attaques. Bon, plus il y a d'ennemis, moins vous avez de chance de donner des coups, donc, parce qu'ils attaquent tous là, au tour à tour, c'est super chiant. Donc on n'a pas le temps de les tuer, quoi, limite de leur passer un coup au minimum. Et donc c'est bien plus lent, quoi. Mais bon, au moins, hein, si vous savez continuer à esquiver les coups, il n'y a pas de raison que... Bon, attends, je peux percer la défense, là. Merci, voilà, bon, moi j'ai tué les deux plus chiants. Crève. Voilà. Des bons finishes, à peu près une quarantaine de finishes différents. À noter, c'est plutôt sympa. Il me reste quoi comme bateau? Là-bas, ça a l'air d'être ce gros là. Attendez. Je vais prendre la liane. J'espère que je vais pouvoir. Enfin, la liane, la corde. Bon, ça ne m'amène à rien. Oui, c'est bon. Si, finalement, c'est bon. Que des ennemis ici. Je sais pas si j'ai des. Non, ah, mais non, mais j'ai personne à tuer. J'ai personne à libérer ici en fait. Attention, tout en discrétion, tout en discrétion. Magnifique! Le combo complet, c'est super. Donc là, j'ai un gros bateau à aller choper, je suppose. Ah ouais, c'est bon, il y a l'échelle là-bas. Bon, Edouard sait nager. Tant mieux. C'est une nouveauté que l'on n'aura pas... on sera pleinement satisfait vu qu'ils ne l'ont pas enlevé, quoi. C'est toujours sympa d'avoir un assassin qui sait nager. C'était plutôt embêtant dans les premiers du nom. Attention, je vais tenter l'assassinat. Une double. Magnifique. C'est super. Je vais utiliser les flingues un peu. Tiens, regarde. Poc, voilà, un petit coup de triangle. Et ça nous le tue de suite. Oh non, même pas. Oh mon dieu, il a esquivé. Ah non, non, pourtant je l'ai bien touché. Bon, vous allez vous calmer s'il vous plaît. Là. Putain, j'en ai tellement des mecs là, c'est super chiant. D'ailleurs, me battre avec la Eagle Blade, ça sert pas à grand chose. Prends les épées.
Voilà, bug de texture encore, comme vous voyez, il a un peu tremblé. Bon, après, je sais que le jeu s'adaptera avec plein de nouvelles mises à jour, etc. Donc, ce n'est que des points qui vont être vite fait réglés. Hein. Nos amis français d'Ubisoft savent ce qu'ils font, hein, de toute façon. S'ils arrivent à nous tenir depuis Assassin's Creed 1 en 2007, je pense qu'ils sauront faire pour Assassin's Creed sorti 2013-2014. Voilà, on va pas leur enlever ce qu'il avait dû. Voilà, bon, mais je crois que c'est la dernière, c'est les derniers mecs à enlever. Que je vous parle un peu du lieu quand même. Bon, parce que voilà, c'est en 1715, plein milieu de l'âge d'or de la piraterie. Nous aurons plus de 70 lieux différents à découvrir. Enfin, sympathique, me direz-vous. Lui, qu'est-ce que je fais? Je le ken ou pas? Ah oui, attendez, faudrait que je recharge peut-être. Alors, le reloading qui est super long, c'est génial. Sort tes épées, voilà. Contre, ça sert à rien de faire Hakuna Matata là, enfin ton Yamakasi là, si c'est pour te rétamer sur mon épée juste après quoi. Espèce d'idiot, hein, mongolien. Là. Donc voilà, dans cet opus, ce sont vraiment les Espagnols qui prennent cher. On avait l'habitude de tomber sur français, taper de l'anglais ou encore voilà du Borgia dans les premiers du nom. Je tente la doublette, yes, magnifique. Donc voilà, je vous ai dit plus de 70 lieux à découvrir. Le premier lieu c'est à la Havane. Puis après, bon, nous aurons plein d'autres lieux et des lieux où est-ce que l'on parle, tels que les Philippines, Madagascar, etc. Je vous parle brièvement du mode online, même si ce n'est pas l'intérêt de la vidéo. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur le mode online prochainement. Nous avons bon, mais toujours le mode online 2 à 8 joueurs en réseau. Ah ben ça y est, on peut enfin partir à l'abordage du dernier navire, tuer le capitaine. Ah ben attends, si je peux pas te tuer toi. Attends, voyons. Bim! Voilà. T'es mort, hein? Non, t'es pas mort. Putain. Crève! Je vais te percer la défense. Faut continuer à taper jusqu'à qu'on ait percé. Non, même pas. Oh putain, en plus c'est lui qui attaque. Attends. Bim! Bouffe-toi ça! Voilà. Connard. Ouais, quand je vous dis 40 finishes différents, c'est 40 finishes par arme, hein, carrément. Donc c'est vraiment. Donc ça y est, Edward prend enfin son tout premier bateau. Bon, parce que voilà, le premier dont il faisait partie a été éclaté. S'est fait attaquer d'ailleurs par un assassin en fait. Donc grosse parenthèse spoil. Bon, après, bon, non, c'est juste la première mission. Voilà comment il devient assassin. Il tue un assassin, prend ses vêtements. Il ne sait pas trop en quoi ça consiste quand même. Qu'est-ce que c'est d'être assassin? Enfin, la phase de bateau, j'adore. On peut toujours viser avec Allen, tirer avec Evan, et puis après utiliser le canon et tirer sur le navire, c'est super. Je vous disais, ouais, il ne sait pas trop en quoi consiste ben, le fait d'être assassin. Donc il va déjà se rallier à une première cause qui est celle des pseudo-templiers. Donc on ne sait vraiment pas ce qu'il fout, quoi. Enfin, depuis quand les assassins sont alliés avec les templiers? Un petit peu nul, quoi, sur le coup. Je vais ralentir pour essayer de le toucher. Lui. Allez, crève! Voilà, c'est ça. Oui, les ordinateurs sont assez fous, ils n'hésiteront pas à vous foncer dessus carrément, à essayer de péter votre bateau en deux. Il y a quelqu'un qui nous attaque? Cachez-vous? Non, c'est bon. Toujours se cacher avec carré. Faut que j'aille où? Ouais, au point vert. Bon, vous voyez, c'est vraiment indiqué sur la carte, ça a été vraiment plus simplifié. Est-ce que je vais te toucher? Oh, allez, en one shot. Ça c'est pas beau, ça. Attention. Désolé, excusez-moi si je peux pas reprendre mes petites précisions, c'est parce que vous savez que la bataille navale quand même. Voilà, un tsunami qui arrive, c'est génial. Alors, maintenir carré pour réduire les dégâts. Ouais, bien sûr, voilà. Donc là on va pas pouvoir contrer cette énorme vague qui arrive sur nous. Vous la voyez sur la carte, elle se déploie grandement. C'est impressionnant à voir, c'est super bien fait, c'est vraiment génial. Allez, cachez-vous. Et on fait face au grand raz-de-marée et qui peut anéantir même les bateaux qui sont derrière nous. Comme vous le voyez, dans ma carte, il n'y a absolument plus rien. Je vais me mettre à mi-main pour mieux tourner, puis relancer la grande voile. Voilà, c'est bon. Donc voilà, comme vous le voyez, toujours aussi impressionnant. Des grands vents, faire face. Voilà, vous voyez qu'il y a des cyclones carrément au fond qui vous attirent et donc peuvent détruire votre navire. Donc il va falloir. Vraiment, c'est vraiment le jeu de la navigation, carrément. Bon, parce que là, vraiment, dans le 3, on était plus. Voilà, fallait se caler pour pouvoir mieux tirer. Non, mais là, il faut vraiment gérer le vent. Faut regarder
pour les catastrophes naturelles qui se déploient juste à côté de vous. Vous voyez que je suis face au vent, donc je me déplace bien plus lentement. Là, je vais vers le cyclone. Là, d'ailleurs, je suis même un petit peu attiré. Ça se voit que le vent pousse même plus vers le cyclone qu'à l'enfoiré. Ben là, vous voyez, mon bateau allait carrément virer vers le cyclone. J'essaie de l'esquiver. C'est assez... Putain. Je suis en train d'être aspiré, d'ailleurs. Allez, remets-toi en grande... Ouais, c'est bon, tu vas y arriver, José. Non, enfin, Edouard, en l'occurrence. Voilà. Non, mais vous voyez, en plus, on est en train de se faire attirer. Oh, c'est magnifiquement bien fait, c'est super, franchement. C'est super beau. Après, bon, je ne vais pas non plus... Bon, du coup, je me refais aspirer. Je ne vais pas non plus vous citer tout du jeu. Parce que là, vraiment, ce serait... Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me faire aspirer. Allez, passe un peu. Voilà. Putain, les vagues, elles sont super longues à... super chiant à les faire grimper quoi. Donc voilà, après je peux pas non plus vous citer tout du jeu, je vais pas non plus tout vous spoiler, vous le voyez par vous même déjà que c'est vraiment un jeu qui tient pas mal ses propos. Moi ce qui me tarde aussi c'est de voir vraiment le DLC, de voir ADOAD, voir un petit peu de quoi il est capable. Tiens d'ailleurs, voilà encore une autre grosse vague qui arrive, je vais me remettre à minima quand même pour éviter de la heurter plein fouet. Oui, si vous y arrivez vite sur la vague, eh bien ça peut faire mal. D'ailleurs on va se la prendre vraiment dans la gueule celle-là. C'est bon, parfait. Putain, on prend une de ces hauteurs avec cette vague. C'est super bien fait. Après bon, vous voyez, quand la tempête passe, le temps sera mieux, enfin sera plus beau à l'écran, voilà, moins de pluie dans la tronche, un ciel plus éclairci. Franchement c'est vraiment un jeu qui est vraiment adapté. Vraiment adapté sur les conditions, vraiment l'extérieur, sur la beauté, les graphismes. Voilà, je vous en parle, voilà, il suffit que ça arrive, vous voyez que le ciel commence à être de plus en plus éclairci, donc on arrive à avoir un champ de vision qui est nettement plus large. C'est vraiment sympa, c'est vraiment pas, faut vraiment en tenir compte de tout ça. Avant d'atteindre le point final de la mission, donc, et ainsi de stopper la vidéo, je vous ai parlé des armes, je vais vous parler aussi des améliorations du personnage et ainsi que du Jackdaw. En fait, c'est le nom du bateau qu'a donné Edouard, faisant référence à un oiseau, enfin bon, je ne sais plus trop quoi. Les améliorations d'Edouard, je vous en parle vite fait, voilà, vous aurez bien sûr des commerçants. Un seul commerçant suffit pour acheter absolument toutes vos armes, tenues, etc. Plus de couturiers. La banque n'est plus présente, voilà, un seul commerçant pour tout faire, tout est regroupé. Vous voyez qu'il y a différentes épées, toujours avec les trois points caractéristiques, la vitesse, le combo et les dégâts. L'argent que cela vous coûte, donc moi je comptais me prendre celle-là, bon je vais économiser, je suis plus très loin. Les pistolets et puis bien sûr les armes de jet que vous aurez plus tard, comme les grenades, etc. que vous aurez au fur et à mesure. Des tenues à débloquer qui sont vraiment super. Je vous passe vite fait, mais vous voyez qu'il y en a pas mal, en effet, comparé à d'autres, parce qu'on pouvait uniquement changer les couleurs. Là, c'est carrément le skin de votre personnage qui change. Par exemple, voilà, vous avez tenu en peau de félin, vous voyez très bien qu'il y a le léopard sur le côté, c'est super bien fait. Non, franchement, c'est un jeu qui est plein de ressources, et moi, comme je vous ai dit, je suis qu'à 7%, donc je ne sais même pas encore tout ce que me réserve le prochain jeu. À savoir que le jeu contient, on va dire, vraiment le rechamp pour essayer vraiment de tout finir, même quête annexe et quête principale, comptait à peu près... comme l'a dit la plupart des critiques internet, quasiment 70 heures de jeu, 70-75 heures, une bonne vingtaine d'heures déjà pour la quête principale, vraiment sympa. Après voilà, je pense à peu près vous avoir tout cité pour un petit test je sais que des tests approfondis devraient au moins me prendre limite entre 45-50 minutes, mais bon, comme vous savez que je fais des tests de, au moins j'essaie de faire 25 minutes grand max et je vois qu'on s'en approche. Voilà, enfin, le bateau a pris pas mal de dégâts en effet. Et là je crois qu'il hérite de son second flingue. Comme je vous ai dit, il y en aura 4 en tout. Donc enchaîner 4 ennemis à la suite, c'est plutôt sympa. Le jeu est tout simplement magnifique. Franchement, ça tient vraiment, vraiment ses propos. Voilà, sachez que c'est un... un super jeu que je vous conseille de tester au plus vite. Hein, et franchement, moi j'étais vraiment fan de Altaïr, le tout premier assassin. Je trouvais qu'il avait énormément de skills. J'étais pas si fan de Ezio et de Connor.
Mais je trouve que ce Edward James Kenway, il est vraiment, vraiment super. Bon, il fait un peu sale de tronche, certes, mais c'est plutôt sympa. Franchement, un héros assez charismatique, bien dégourdi. Vous l'avez bien vu, je n'ai pas prêté attention dans la première phase avant de choisir ma mission. Je n'ai pas fait de cascade sur les immeubles, enfin sur les maisons et tout. Tout ça, voilà, pour pas faire une part de spoil. C'est à vous de le découvrir, vous le verrez par vous-même. Je pense que vous en avez assez lu pour ce petit test. J'espère du coup que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine pour mon test de Call of Duty Ghost sur PS3. Rendez-vous donc le 5 novembre ou le 4, ça dépendra si j'ai de la chance ou pas. Sur ce, je vous dis donc à bientôt tout le monde. Portez-vous bien et à ciao.